Je peux t'élever, nous acclamons très fort. Tonteleni tobeti maboko makasi makasi. Lève-nous, acclamons très très fort. Ça va, ton famille n'a se. Mettons-nous. Je vous avais présenté cet homme de Dieu. Je vous avais dit lorsqu'on priait pendant qu'on était encore partenaire à l'église. Amen. Hein? Amen. Donc, Azalaki parmi Bato Babanda Kolendi Sabiso, la parole. Il était partenaire à l'église, il était parmi ces gens-là qui nous exhortaient lorsqu'on s'était convertis. Il avait une belle voix, mais qui était trop petite. Il avait une belle voix, mais trop petite. Et puis, Eloko, et ben donc on s'arrête bien. C'est que nous faisait du bien. Lorsqu'on était ensemble, c'était la crainte de Dieu. Donc, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Tu vois, il est comme un prêtre. Comme un prêtre. Est-ce que c'est une sœur, cette maman-là? Parce que ma sœur, elle s'est la gabouille. Parce qu'elle est là. Elle est là avec sa robe. Tremble. Elle marche. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Bonjour. Amen. Hein? Donc, on s'est occupé. Et tu vois que tu commences à prier. Et tu sens le goût de la prière. C'est comme on était auparavant. Lorsque tu viens, tu trouves les gens en train de prier. Très bien. Tu les trouves très bien. Et l'obéli est changé. Les langages qui changent. Comportement est changé. Les comportements qui a changé. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es très bien. Voilà, ça parle de l'autre personne. Ce n'est pas toi. Ce qu'on moussouan, hein? L'autre personne là, Assemblée-là, il prie, mais au kouti moutoua salut 5 ans en prière. Mais je trouve quelqu'un qui a fait 5 ans à la prière. Et l'obélimoko mécanique. Avec un langage mécanique. Ce qui a zongiselio. Si tu te répliques, tu t'étonnes. C'est la sœur de notre église là. Ce n'est pas de toi dont on parle. On parle de l'autre là. Amen. Hein? Amen. Donc, quand lorsqu'on s'était converti, on a commencé à prier. La première chose, les comportements des gens que tu vas trouver te poussera à changer. Amen. 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 Si vous voyez, les gens disent que le christianisme est abîmé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des gens qui prient. Et sans changement. L'autre prend le vol. Et les aventures de dehors. Il les amène à l'église. Amen. Amen. Il commence à faire des aventures. Amen. Amen. Mais il parle en langue. Amen. Amen. Donc, je retenais quelque chose qui dit. Quand on parle de la parole vivante, dans cette parole, il y a des ingrédients. Dans la parole, il y a des ingrédients. Révèle alors les ingrédients. Amen. Amen. Bah, vitamine. Il y a des vitamines. Amen. Amen. Il y a tout ce dont tu désires dans la parole. Est-ce que le amen? Est-ce que le amen? Amen. Amen. Donc, dans la parole, dans la parole telle que je la prêche,
Le remède qui est plus que le médicament des malaria. Amen. Amen. Même si tu avais la malaria, le médicament qui a plus que la quinine va te saisir. Que tous les microbes restent par terre. Amen. Amen. Ouh. Parole vivante. La parole vivante. Nakatia parole wana. Dans cette parole, vie il y a la vie. Dès que nous sommes venus ici, nous voyons Kabundualesa. Mais nous sommes venus pour la parole qu'il prêche. Quand tu es venu enseigner, tu vois le pasteur Sylvain qui vient de prêcher. Tu ne sais pas celui qui a le prêché. Ce que tu as reçu, c'est la parole qu'il a fait sortir. Pose la question à toi. Qu'est-ce que tu as retenu dans la parole qui t'est prêchée? Tu peux me dire même le verset. Donne-moi même deux versets. C'est qu'on a prêché. Je veux d'accord une minute. C'était quoi le verset? J'aimerais vous je vous accorde 2 minutes causer quand même. Expliquez mon inga ba teinin. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? C'était d'abord quoi les termes, c'était quoi le verset et quel ingrédient que tu as retenu dans la parole qu'on a prêché aujourd'hui que tu vas ramener chez toi à la maison. Consolation. Il y a la consolation de ce monde. Mais ça a la consolation sur la parole de Dieu. Il y a aussi une autre consolation de la parole de Dieu. Parce que il y a une solution. Parce que cette consolation amène la solution. D'accord. Bien-aimé. Marthe et Marie, babungi sakinde kona bango. Marthe et Marie, elles avaient perdu leur frère. Lazare bandi kobela. Lazare qui était malade. Amen. Amen. Lorsqu'il était malade, on envoyait le message à Jésus-Christ. On lui dit, celui que tu aimes, celui qui reste ensemble avec toi, il est malade. Amen. Amen. Jésus a dit, je viens. On dit, la maladie est grave. Il est maintenant dans les comas. Jésus a dit, j'arrive. Il n'est pas toujours venu. Amen. Amen. Il s'est fait que Lazare est mort. Dans ton quartier, les gens du quartier, ceux-là qui voyaient Jésus à tout moment, venir manger les foufous là-bas, en cuisiner pour lui, il commence à leur dire, on vous avait dit qu'il est le pasteur. Tu peux beaucoup dépenser pour un pasteur, mais si problème, mais si tu tiens un problème, il peut t'abandonner. Tu vois ce pasteur-là, il t'a abandonné. Où est-il? Tu commences à voir qu'il a fait des miracles. Il a fait ceci. Mais où est-il? Lazare est mort. Ils ont aussi regretté. On les a consolés. C'est nous qui sommes venus vous consoler. Où est Walesa? Amen. Amen. Il est allé au coin. Il a embrassé celui qui a perdu son frère. Ensemble. Ils ont pleuré ensemble. Il est allé au coin. Alléli. Il a pleuré. Il a consolé la personne. Amen. Amen. Maman, Marthe et Marie, ils ont dit en tout cas c'est vrai. Vous nous avez vraiment consolés. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples. Il faut que nous consoler.
famille wana Marthe na Marie. Nous devons aller consoler cette famille de Marthe et Marie. Amen. Hein? Amen. Jésus a minimisé la mort. Il savait déjà que Lazare était mort. Il leur a dit qu'il dort. Amen. Amen. Il pensait, mais c'était quel genre de sommeil? Il a dit que non, il est mort. Lorsqu'ils sont arrivés, Marthe est venue. Na Marie. Et Marie. D'abord Marthe, d'abord Marthe est arrivée. Ah, papa. Il dit, Seigneur, c'est qui dit trop. Il s'est moqué de nous. Tous les gens du quartier, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit, mais Jésus était ici. Vous préparez pour lui le poulet. Amen. Vous préparez le poulet avec les maman, appelle ça lumba lumba. Maman, donne-moi les lumba lumba. Walesa linga kaso so lumba. Walesa aime ça. Lelo walesa zo. Où est Walesa aujourd'hui? Amen. Amen. La série dit son trou. Ils se sont moqués de nous. Amen. Amen. Jésus a le biboyé. Jésus a dit ceci. Maman. J'ai emmené la consolation avec solution. Plus solution. Les alliés consolation au bas consolat qui ont. Ce n'est pas la consolation que tu avais reçue l'autre fois. Et puis n'aya qu'en retard. Et moi je ne viens jamais en retard. Tel que je t'ai dit. À tout moment où tu me suis sorti à Jude Bosanio. Même si tu as vu quelqu'un d'autre, il a reçu quelque chose avant Jésus toi. Jésus à Bosanio. Jésus ne t'a pas oublié. N'aimes pas Jésus Christ à Bosanio. Je te dis que Jésus Christ ne t'a pas oublié. Est-ce que tu veux qu'on ait un seul bas? Yes. Dis à ton voisin, ton tour arrive. Ton tour arrive, Jésus. Tes enfants sont là. Oyayo miracle, Zanini. Ton miracle est là. Mais pourquoi tu te décourages? Qu'est-ce que les gens te disent? Toi, tu as fait une année de prière. Nous ne voyons rien. Là, c'est la sorcellerie qui leur pousse à parler. Dis-leur, j'ai déjà reçu des choses. Amen. Amen. Aibisi Marthe. Jésus dit à Marthe. Toi, tu ne sais pas mon nom? Il dit, mais toi, tu es Jésus-Christ, n'est-ce pas? Non, non, je suis la résurrection. Nganazali, c'est quoi? Dans la parole qui sort de ma bouche, la parole a des ingrédients qui ressuscitent les morts. Elle dit, non? La personne déjà putréfiée. Tu as des ingrédients de quel genre? Et toi, je ne me connais pas. Je sais que les gens vont résister au dernier jour. Il dit non, moi j'ai des ingrédients. Je suis la résurrection. Ganaza, il sait quoi? Et la vie. Dans la parole que je possède. Dans la parole vivante. J'ai la parole vivante. Est-ce qu'on colle ma main? Hey man. Est-ce qu'on colle ma main? Hey man. Je m'adresse à celui qui est découragé. Les jours que j'ai connu ce papa, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je fais cinq mois. Je n'avais pas envie de manger. La joie a débordé en moi. Lorsque Jésus s'est révélé à moi, j'ai fait 5 à 6 mois. On m'a donné la nourriture. J'étais déjà plein d'abondance. J'ai dit, mais moi je suis en relation avec le Jésus-Christ qui est là au ciel. Le Dieu qui s'est révélé à moi, c'est ce Dieu ici. Et ceux qui ne savent même pas, merci. Si je prie, je dis Seigneur, merci. Là, je voyais des révélations. J'ai recevé des visions. Tu peux dormir comme ça, tu vois l'apparition Kabundi. Divine. Kabundi. 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 Est-ce que tu m'abandonneras un jour? Est-ce que tu me trahiras un jour? Amen. Amen. Tu sentiras quelqu'un qui me touche. Kabundi. Kabundi. Me trahiras-tu? Amen. 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 Je regarde comme ça, je ne vois personne. Jésus. Jésus. Nalali le soussou. Je m'endors Kabundi. Encore. Kabundi. Batuebele batrahiringa. Plusieurs m'ont trahi. Gaï na kuitilize yo. Moi je vais t'utiliser. Na ko travailler no. Je vais te travailler. Est-ce que oko trahiringa? Mais trahiras-tu? Ezalinga Jésus Christ. C'est moi Jésus Christ. Natali mutozo genga. Je regardais la personne qui priait. Nazo mon elongite. Je ne voyais pas le visage. Amen. Amen. Nanamuki. Je me suis réveillé. Bankou. J'ai pris fuite.
Ce jour-là, j'étais avec Mouké. Tu as vu beaucoup de choses avec moi. 1990. Là, j'étais encore partenaire. Nous étions tous des partenaires avec les papas qui viennent de prêcher. Amen. Amen. Mouké, Mouké que vous voyez. C'était sur une nat. Papa, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai déjà vu Jésus venir. Il me pose la question si je vais les trahir. Là, Jésus savait déjà qu'il va me prendre pour son serviteur. Il est en train de me travailler. Il me pose la question si je vais le trahir. Amen. Amen. Lorsque nous sommes encore endormis avec Mouké. Amen. Amen. Wana na coin. Au coin, Yabimi, il est sorti. Allez, pigeon a bandi collé la carte place où. J'ai senti le pigeon. Colombe, hein? La colombe. Azole la carte place. La colombe qui criait là, tout près de moi. Bimim bam. Je suis sorti. Yaka. Je le dis, viens. Yakota la colombe. Viens voir la colombe comment elle est. Côté. Nous ne voyons rien. Mazole la wan. On entend le son de la colombe. Bangu. Yabisa moninga mui sazaz. J'ai pris fuite. Amen. Là, c'est Dieu qui m'a travaillé. Il aimait beaucoup plus la prophétie. Moi, j'avais aussi mes problèmes. J'avais des difficultés financières. Je lui ai dit, il m'a dit, viens m'accompagner chez une prophétesse. Nous sommes partis chez la prophétesse. Comment on dit, maman Fataki. Elle s'appelait prophétesse, il y a, c'est, il y a Elda. Maman prophétesse de Elda. Il y a Kif. Ah. Toke naï. Nous sommes partis avec lui. Lui. Moi j'étais là dehors. Avec mes problèmes, c'est que je voyais. Il est allé pour avoir la prophétie parce qu'il avait la crise. Il avait la crise. Il est venu pour la prophétie afin qu'il soit rempli. Amen. Amen. Je vous dis des choses vraies. Il a rencontré la prophétesse en question. Amen. Amen. Prophétesse. La prophétesse. Il prophétisait sur lui. Il lui dit, tu as amené un homme terrible là-dehors. Un grand homme de Dieu. Là, les chaussures étaient abîmées. Je n'avais même pas l'argent. Il dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Là, dans la maison. Il a le feu. C'est un grand homme. Il a dit, mais il n'a rien là dans ses poches. Il n'a rien. Toi, tu as quelque chose. Amen. Il est sorti avec la prophétesse. Lui qui craignait la prophétesse. La prophétesse me craignait. Je n'avais même pas de babouche. Je n'avais plus d'argent. La prophétesse est arrivée. Bonjour. Bonjour, papa. Moi, je dis, mais la prophétesse pour qui il est venu chez lui? Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Lui, il m'a dit que maintenant, la prophétesse te craint. Elle dit que toi, tu es terrible et tu es danger. Toi, tu es danger. Donc, danger de mort. Tu es danger. Si le sorcier ose dans son sein, il aura des retours. Amen. Amen. Natchilou, on chante un cantique. On dit, posez la question aux sorciers. Ils vous diront sa gloire. Tel que tu es là, tu ne peux pas te découvrir. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est à Dieu, il va t'expliquer ce que tu es. Que toi, terrible. Tu es terrible. Si tu rencontres aussi un sorcier, il va te découvrir. Yeah. Parce que les sorciers voient, ils te regardent, ils voient le feu sur toi.
Il peut arriver quelque chose dans une parcelle et les baillards ne te supportent pas. Le baillard a déjà vu le fait que tu y as. Amen. Amen. Je vais retourner là. Nous sommes avec maman Angèle. Nous étions encore chez nos parents. Amen. Amen. Maman Angèle a zemi à 20. Maman Angèle avait la grossesse de 20. Amen. Amen. Tobibi toke noko futel. Nous étions sortis pour aller louer quelque part. Chez nous, j'avais ma propre maison. Je me suis décidé d'aller chez moi. Dis à ton voisin. Quitte chez vous. Pour chez toi. Quitte chez vous. Pour être chez toi. Quitte chez vous. Être chez toi. Je vais mourir ici chez nous. Va-t'en de chez vous. Nous sommes allés louer. Nous avons versé la garantie. Maman Bokilo a l'histoire. Ma belle-mère connaît l'histoire. C'était chez un agent de Miba. Clôturé, le pan très bien. La parcelle était très bien clôturée. Tous une dame. On a trouvé une maison. La nuit, nous sommes entrés. Amen. Amen. Tokotina pourquoi Anja a perçu son beauté. L'agent nous a salué le soir. Amen. Amen. Tokomikana 5 heures. Vers 5 heures. Anja. L'agent est venu. Con, con, con. Il toquait à la porte. Con, con, con. Il toquait à la porte. Nabi Maboui. Je suis sorti. Yeah, ça va, nanambo, nanga, ya garantie. Il était là avec la garantie. Bimana lupangu nanga. Sors de ma parcelle. Mais Nabi Mandeni. Que je sors comment? Bimana lupangu. Sors de ma parcelle. Bois quel nanga. Il m'a jeté l'argent. T'as commis qu'on andait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce que je fais? Il me fuyait. Je tournais dans. On tournait la maison. Longo, va-t'en, va-t'en. Longo, va-t'en. Na l'alité. Moi, je n'ai pas dormi aujourd'hui. Yo soyez là, na monte na mon. Toi, tu m'emmènes avec le feu dans la bouche. Avec une personne à tes côtés. Moi, j'abandonne mes fétiches. Yo bimana lupango. Sors de ma parcelle. Makamwane salim. Ça s'est passé comme ça. 1990. À 1990. Ça s'est passé en 1990. Là, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas qu'il avait déjà découvert que moi, j'avais le feu. Est-ce que toi, tu te connais? Tu te connais très bien. Devant toi, il y a des choses. Mais tu pleurniches. Tu ne fais que pleurnicher. Or, il y a de grandes choses à venir. Amen. Amen. Zokandeye aliaka bana ya balocataire. Or que le bailleur bouffe, il mange les enfants des locataires. Il avait déjà calculé pour bouffer, manger l'argent qui était dans l'enfant. On peut manger les enfants des autres. On peut envoûter les autres. Mais comme toi tu es envoûté de Walesa, c'est lui qui osera va sentir le feu de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Kakawana, à l'instant, Tobimina Lopam. Nous sommes sortis de cette parcelle. Nous sommes partis louer ailleurs. Vous sentez comment les choses sont. Là, j'étais encore partenaire. Je ne me connaissais pas encore. Je ne me connaissais pas encore. Lorsque Dieu dit en la prophétesse a prophétisé. Lui, il me disait, elle est en train de craindre. Elle a dit ceci, elle a dit cela. Là, je n'avais rien. L'argent était puisé. Le véhicule était sur les pierres. Amen. Amen. Donc, tant que nous sommes dans d'accord. Lorsqu'on se retourne à la maison, maman, je dis à maman, regarde ce que j'ai rencontré. Maman, cette maman a déjà oublié. Après Bamboula. Après quelques années. Amen. Amen. Après Bamboula. Après quelques années. Maman Wana. Cette maman-là. Komipe Kolandanga. Elle me suivait maintenant. Pour Alukanga na bonde repone. Afin que je puisse prier pour elle. Ayebili susute ke mutuna prophétisa ki wanande kabunjualesa. Elle ne savait plus que la personne sur qui elle avait prophétisé c'était Kabunjualesa. Ce qui m'a coûté à la papa ou wapi. S'il avait rencontré ce papa, je ne sais où. Amen. Amen. Ne papa ayebi se oyebi muto to yakana. Et le papa qui lui dit, tu connais la personne que j'avais amenée chez toi. À 1990. Sur qui tu as prophétisé? C'est celui-là qu'on appelle Kabunjualesa.
Il dit, c'est vrai. J'ai cherché à tout prix pour le voir. Il m'a appelé. Souviens-toi de la prophétesse. Amen. Amen. J'ai dit, appelle cette maman. Qu'elle vienne qu'on se rencontre. Là, j'étais ici à Kinshasa. Elle est venue. Elle m'a pris dans ses bras. J'ai dit, maman, c'est moi la personne sur qui tu avais prophétisé. Il dit, j'ai acheté les habits pour elle. Je lui ai donné l'argent. Dis à celui qui a tes côtés. Toi, tu ne me connais pas encore. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux que tu puisses me découvrir aujourd'hui. Toi, tu ne me connais pas encore. Je vous accorde 2 minutes. Dis à celui qui est à tes côtés. S'il te connaît. Toi, tu ne me connais pas, toi. Tu ne me connais pas très bien, petit. Parce que ton colis place mon corps, Kanisi. Tu ne me connais pas très bien. Amen. 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 Est-ce que tu as compris ma boko ma casse pour Jésus? Pouvons-nous acclamer très fort pour Jésus? Amen. Amen. Donc, Zali parmi Bato Bamoni Makambo Yanga. Il est parmi ces gens-là qui ont vu vraiment mes commencements. Amen. Amen. Un jour, on dormait. Je regardais comme ça. J'ai vu Jésus venir. Il a posé sa main sur ma poitrine. Il commence à me dire des choses. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Kabundi, est-ce que tu m'aimes? Kabundi, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Kabundi, est-ce que tu ne vas pas me décevoir? Et moi, je t'avais dit, souviens-toi, l'air Jésus à l'obakina, Simon Pierre, même ti, souviens-toi, mes brebis. Simon Pierre, même ti, mes brebis. Dans gestion d'armée, il m'a touché sur la poitrine. Là, il pleurait. Kabundi. Est-ce que toi tu vas m'abandonner? Antiloba, ça ne sonne pas très bien. Kabundi. Est-ce que toi tu vas m'abandonner? Est-ce que toi tu me trahiras? Il caressait ma poitrine. La main était trop froide. Je lui dis, je ne peux jamais te trahir. Je ne peux pas t'abandonner. Kabundi. Il savait qu'il allait me confier vraiment une grande mission. Jésus a fait grâce à plusieurs. Mais ces gens l'ont trahi. Il a ramassé d'autres gens dans les néants. Amen. Amen. Il les a élevés comme ça. Et la personne qui trahit Jésus, il a élevé d'autres serviteurs dans les néants. Il a fait des serviteurs des grands pommes. Il a juste vu la gloire. Il s'est enorgueilli. Il commence à demander des $100, $200 pour le rencontrer. Amen. Amen. Il s'enorgueillit. Cupidité. Il a la cupidité. Amen. Amen. Il prend l'impudicité. Il ajoute. Place Jésus à là où Jésus est. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Il va s'étonner. Kabundi toi. Pourquoi tu peux me faire une telle chose? Amen. Amen. Tel que tu es là. Tu verras quelqu'un d'autre quand nous prions comme ça. Dieu l'élève. Il lui donne beaucoup d'argent. Par après, il abandonne la vie de prier. Il prend l'impudicité. Il remplace. Plusieurs sont comme ça. Il trouve beaucoup d'argent. Il commence à prier superficiellement. Il peut épouser même 5-6 femmes. On a vécu ces choses. Quelqu'un qui devient un grand serviteur de Dieu. Il commence à voir sa femme moche. Il commence à convoiter d'autres femmes. Il abandonne sa femme. Il épouse d'autres femmes. Là, Dieu pleure. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu me dit, j'ai suscité plusieurs, mais ils m'ont trahi. Kabundi. Kabundi. Est-ce qu'on trahi, mais trahiras-tu? Mission, tu vois la mission que Dieu m'a confiée. Il m'a donné un message. Si souvent je prêche toujours la crainte de Dieu, même quand vous me voyez comme ça, comme j'étais jadis, c'est comme je suis aujourd'hui. C'est là qu'il me connaissait depuis longtemps, il me connaît. Malgré l'élévation, malgré mon élévation, je suis toujours le même. Je n'ai pas un autre wallet à cacher. Amen. Ouais. J'ai des choses que Dieu m'a dit. Lui-même, il m'a façonné. Il m'a travaillé. Tel que tu es là, Dieu est en train de te travailler. Lorsqu'il va te lever, pour que tu ne puisses pas l'abandonner. Parce que dans mon kilawa, dans les mondes, nous avons Jésus de l'autre côté. De l'un côté, le diable. C'est quoi le travail du diable? Récupérer les hommes de Dieu. Amen. Amen. Récupérer les hommes de Dieu. Celui qui est Satan, le diable va les prendre. Amen. Amen. Pour te faire entrer dans le monde. Dieu de son côté. Prendre les gens que le diable travaille pour les ramener vers lui. C'est un combat. Amen. Amen. Lorsque nous tenons des campagnes d'évangélisation, nous dépensons. Nous dépensons. Pourquoi nous dépensons? Nous cherchons le païen. C'est là que les diables a égaré pour les prendre, les ramener auprès des dieux. Les diables ne sera pas content. C'est pourquoi Dieu dit, si un païen s'est converti, il y a une grande fête là au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut récupérer ces gens qui ont la semence satanique en eux. Est-ce que vous comprenez? Si moi Kabundiwale ça, vous connaissez comment vous m'aimez. Pour la question de ton voisin, tu aimes voir ça. Toi, tu aimes voir ça. Bon, moi, je confiance. Comme me faites confiance. Amen. Hein? Et puis, pour ça qu'on s'est vanté partout. Vous vantez partout. Oui, et puis, pasteur. Notre pasteur. Banga Kansa. C'est un homme qui craint Dieu. Notre pasteur, c'est un homme de compassion. Notre pasteur, il est comme ça. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout dans le monde, ils s'inventent. Si quoi pasteur, maintenant ce pasteur là, représentant Jésus. Il est le représentant de Jésus Christ. Mais ce qui pasteur, mais si ce pasteur fait du mal, il prend une femme d'autrui dans l'église. Et créer bombe dans le monde. Ça va créer une bombe dans le monde. Walesa. Il a une autre femme. Vous trouvez aussi la femme en question. Vous trouvez Walesa torsne. Torsne. Il est là avec le cinglé. Il mange le foufou. Là où tu es, tu vas t'évanouir. Tu vas mourir. Et puis. Je vais briser les cœurs de plusieurs. D'autres gens deviendront incrédules. Ils diront non. Celui qu'on pensait qu'il avait tué, regarde ce qu'il a fait. C'est ce que les diables cherchent. C'est pourquoi Jésus pleure. Est-ce que tu veux me faire insulter? Est-ce que vous avez une profondeur, roi? Vous sentez la profondeur de la chose. C'est pourquoi je jure à ta mon côté. En aucun jour, je trahirai Jésus. Je ne trahirai Jésus-Christ en aucun jour. Bon, comptez dans Zamboyanga. Comptez sur mon Dieu. Parce que c'est lui qui me protège. Et moi, je suis déterminé. Côté Bazoakabatouzani. Où est-ce qu'on trouve les gens? Côté Yambon. Par l'argent. Bongo. L'argent. Côté Yambon. L'argent. Parce que cupidité. Parce que la cupidité. Les alliés idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ceux qui m'ont aligné Bongo Makasi. Si un homme aime beaucoup plus d'argent, il est en train d'adorer l'argent. Tout son cœur est incliné là-bas. Amen. Amen. C'est difficile. C'est difficile. Parce qu'il veut avoir l'argent en abondance. C'est pour les mauvaises choses qui se produisent. L'amour de l'argent.
Amen. Amen. Akoko créer ba rubrique moko yambo. Il peut créer des rubriques pour avoir l'argent. Amen. Amen. Oteka ba biloko moko. Vendre des choses. $100. Vendre l'huile de $100. $50. L'huile de $50. $10. L'huile de $10 de $20. La simawa. Derrière ces pensées, bon. L'argent. Amen. Amen. Akoko créer loko moko. Il peut créer quelque chose. Bongo. Juste pour avoir l'argent. Donc, côté Wanande et Sika Bazoua, la serviteur Mingi, c'est là où on prend vraiment les serviteurs de Dieu. Bongo, on va t'amener vers après l'argent. Tu vas tomber dans d'autres choses. Tel que vous êtes là, n'aimez pas plus l'argent plus que Dieu. C'est ce que je vous prêche à tout moment. Même si tu pries comment, fais tout pour payer ta dîme. Même la dîme de 10 000 francs. 5 000. Même de 5 000 francs. Même 3 000 francs. Kamata pesa. Sors. Wanozola kisake nzambe yozali premier nakatia motema. Là, tu prouves à Dieu que tu occupes la première place dans mon cœur. Dis-lui, est-ce que tu entends ce que Wallace est en train de dire? Amen. Amen. Papa Oyo, c'est papa que vous voyez. Si tu te mets avec les gens, ne place pas seulement les mauvaises choses. C'est pourquoi dans des familles, il y a plusieurs divisions. Amen. Amen. Tu es ensemble avec quelqu'un, quelqu'un t'offense un peu. Tu changes même le nom de l'enfant que tu avais donné. Moi, je vis des gens qui ont faim ici. Malgré que vous les voyez comme ça, en ces temps-là, on avait une crise à la maison. On a fait à peu près une semaine. On mangeait toujours dans la difficulté. Il était venu chez nous. Il n'avait pas l'argent en ces temps-là. Il m'a amené le poulet. Le poulet en question, il n'a même pas donné 1000 francs. C'est seulement le poulet. Vers 22 heures. Amen. Amen. Maman, je ne l'ai pas débrouillé, Maman, je l'ai débrouillé. Elle a préparé ce poulet. Avec le foufou. On a mangé cette nuit-là. Lorsqu'on a mangé ce poulet, il était allé prendre le poulet de sa femme à la maison. S'il avait volé, je ne sais pas. Amen. Amen. Lorsqu'on a mangé les poulets, on a gardé la dette. Cet homme a 22 heures. Et puis il y a un là. Et il venait en pleurant. En tout cas, cet homme nous aime. Amen. Amen. Il s'est fait que. Après un mois, deux mois. Un mois, deux mois après. Nazumbongo. J'avais eu l'argent. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a en bongo wana na pesie. Je lui ai donné cet argent-là. Bombe la bongo. Garde-moi cet argent. Nazo sambe la nanu. Je vais d'abord prier. Ceux qui n'ont pas ni charisme. Si je vois, je sens du charisme. Je viendrai prendre l'argent pour commencer le les affaires. Est-ce qu'on a zo sambe la nanu. Mais comme je suis dans la prière. Comme toi, tu es un homme bien. Et puis on paie sa sauce. Et tu vas donner le poulet. Bombe la nanu. Garde-moi l'argent. Amen. Amen. Il parle bien. Amen. Il a dit amen. Ah bon, bien. Il a gardé l'argent. Ce qu'on y a, on a déjà qu'on travaillait. Lui, il travaillait déjà. Et nous sommes dans quelque part, on est à 13 heures. Des fois, je peux partir chez lui à 13 heures. 16 heures, ceux qui aillent dans mon salon. Alors, ceci revient du travail. C'est les bisous foufou. On place le foufou. T'as mis souni. Le viande. Le gros morceau de viande. Là, j'ai mangé de gros morceaux. Je dis, en tout cas, toi, tu es mon ami. Amen. Est-ce que ton coco bête à ma banque pour la ma solo? Et ça dans ma solo vrai. Ce sont des histoires vraies. Pour moi, toi, moi, Zali, Azali. Parce que la personne est là, présente. Il se fait que. Ah, Nayekoya. Je suis venu pour récupérer mon argent pour commencer les affaires. Je suis là, je cherche l'argent pour commencer les affaires. Il m'a dit que j'aille vendre diamant. Il est allé. Je ne voyais pas les choses claires. Une semaine. Une semaine. Deux semaines. Deux semaines. Ah. Oh.
Où est mon argent, mon cher? Oh, bangele mon koutou. Bangele mon koutou. On m'a roulé. Basu diamant nga nyongo. Donc quelqu'un a pris les diamants par crédit. C'est quoi bato baye? Les gens sont venus. Fundaye! Tu peux l'accuser. Bakangaye! On doit l'arrêter. Lorsque je vais mériter, je pense un peu au poulet. Je pense un peu au poulet que j'avais mangé, les poulets d'autrui. Or que soso, or que le poulet, et ça ce qui n'a 6000 francs. C'est à 6000 francs. Et quoi ça valait un moko à 5 dollars. Ça peut être même 5 dollars. L'argent qu'il avait bouffé, 50 000, 40 000 dollars. On peut dire même 40 ou 50 000 dollars. J'en peux mesurer. J'ai regardé le poulet. Ah mon Dieu. Oh, que les viandes que j'ai mangées. C'était mon propre argent que j'ai mangé chez lui. Tu as déjà consommé ton argent. Après, Dieu a fait grâce, j'ai eu l'autre argent. J'ai commencé à travailler. Par après, je suis devenu Kabunduwalesa. En ce temps-là, je n'étais pas encore Kabunduwalesa. Lorsqu'il a bouffé mon argent, il a fouillé. On ne se retrouvait plus. Il savait que je le poursuivais pour mon argent. Je me suis mis à débrouiller. Je faisais des grandes choses. J'ai eu beaucoup d'argent. Amen. Amen. Il s'échappe toujours. Amen. Amen. On a enfanté le premier enfant. Le troisième. Le quatrième, là, Jonathan. J'étais avec maman Angèle. Lui, il était devenu vide, zéro. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes dans son mariage. La femme était sorcière. Il a eu des problèmes sérieux. Amen. Amen. Il s'est fait. Nous étions avec maman Gel. Nous nous sommes souvenus de son poulet. Ah, j'ai dit, cet homme devait donner le poulet. Où est-ce qu'il est devenu maintenant? Qu'on donne son nom à l'enfant. Là, on avait beaucoup d'argent. Il y a d'autres noms. C'est pour le profit. Tu donnes à quelqu'un le nom parce qu'il a l'argent. Pour qu'il puisse te donner. Là, ce n'est pas le nom. Tu dois donner le nom par amour. Mais tu donnes le nom à Bolingo par amour. Tu donnes les noms, demain tu commences à venir. Comment est-ce que ton homme va sortir de l'hôpital? Maman, va-t'en. Là, on va connaître que les noms tu as donné par profit. Tu visais quelque chose. Il s'est fait que on a enfanté et on a donné le nom de Mouké à l'enfant. Amen. Amen. On était à lui dire que Kabunduwalesa, il a donné le nom de l'enfant. Moi qui n'ai rien, qui me donne le nom à Kimi le sous. Il a encore fouillé. On lui a dit, fais tout pour aller voir ton homonyme. Que moi j'aille rendre visite à mon homonyme. Qu'est-ce que je vais leur donner? Je ne peux jamais arriver là-bas, moi. Il a encore fouillé. Or, j'ai donné ce nom pour le rapprocher. Il s'est méfié encore. Un jour j'avais voyagé. En mon absence, il est venu précipitamment. Avec le boîte de lait. Il a donné à maman Gel. Il a fouillé. Jusqu'à aujourd'hui. Je partais en mouvement. Je disais aux gens, cherchez-moi. Où est-il? Il n'a rien. Il est devenu vide.
Il a dit cherchez-moi son poulet que j'avais mangé. Son poulet est en train de Neko. Parler. Bien-aimé. Toi à qui on a fait du bien. Juste une petite chose. Et tu quittes, tu abandonnes la personne. Tu oublies toutes les bonnes choses qu'on t'a fait. Toutes les bonnes choses, tu oublies. Tu oublies tout. Même dans la famille. Les gens qui dorment sur une même natte dans la famille. Lorsqu'ils sont mariés, ils commencent à se diviser. L'autre avec sa famille. L'un avec sa famille. J'aimerais vous dire, dès que vous êtes dans la famille, la bénédiction de ton frère est aussi la tienne. La joie de l'Église. C'est la joie de toute l'Église. Amen. Nous connaissons qu'il y a des méchants. Tu lui fais du bien, il est toujours ingrat. Semblant. Fais semblant. Laisse-les mourir de leur côté. Amen. Amen. J'ai envoyé les gens. Cherchez-moi, Mouké. Maman pilote. C'est toi. Viens ici. Tu connais ce que moi je fais pour toi. Des bonnes choses que moi je fais. Où est-ce que tu étais parti? On va bien causer après. Comme une mise, hein? Merci. Merci, papa. Ya Braza. Amen. Hein? Amen. J'ai dit aux gens, cherchez-moi, que là vous allez rire. Là, il me crie. Complexe. Il était complexe. Il dit, qu'est-ce que je vais lui donner? Il n'y a plus question de dette. Là, combo. Mon enfant porte ton nom. J'ai dit, souvenir au poulet. Cherchez-moi, Mouké. Maman m'a amené ses papas. Comme un voleur. Même pas de papa. Yo, je dis toi. Okay, tu vas pas partir. Entre dans la maison. Et les gens de l'hôtel, arrêtez cet homme. Tel qu'il était. Avec ses habits. Je l'ai mis dans l'avion. Je l'ai amené à Kinshasa. J'ai changé sa vie. Est-ce que mon corps met ma moko makasi? Est-ce que mon corps met ma moko makasi? Est-ce que mon corps qui met ma moko makasi? Il commence à bien s'habiller. J'ai pris ses enfants. Je lui ai trouvé une maison. Je lui ai dit, assis-toi. Moi, je suis dans la divinité. Parce qu'on insultait son nom. Par ses frères. Ton nom a pris fuite. Il s'est disputé chaque jour. Où est ton nom? L'homme ne connaît même pas son nom. Son nom qui est à Paris va venir bientôt là. Amen. Amen. Pour venir voir son homonyme. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas l'œuvre de Jésus à la croix. N'oublie pas Jésus-Christ à la croix. C'est que Jésus a fait à la croix. Hey! My God. C'est pourquoi on chante un cantique. Lorsqu'on parlait toujours, on chantait à la croix. À la croix, les gens pleuraient. À la croix, les gens pleurent seulement par la souffrance. Je n'ai pas l'argent. Quelqu'un qui pleure. Lorsqu'on prêche de Jésus-Christ à la croix.
Jésus, les gens voient Jésus. Il est mort pour tes péchés. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu te mets à genoux et les gens pleurent. Jésus-Christ. À la croix. Pour moi. Pour briser les liens. Pour me donner la vie éternelle. Oh Jésus. Oh my God. Et les gens qui pleuraient. Merci Seigneur. Si Wallace se souvient de Mouké pour les poulets, alors Jésus-Christ. Alors Jésus. Jésus-Christ. Est-ce qu'Église, moi, je vais te 5 minutes. Nous pouvons prendre 5 minutes pour nous agenouiller. Pour dire merci à ce Dieu. Pour la croix. Pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. D'accord. Tu te mets seulement à genoux. Oui, mais c'est tu dis à Dieu. Ceux qui ont été Jésus-Christ. Ni t'étais toi Jésus. Comme moi, ceux qui Jésus-Christ était. Je n'étais pas pour Jésus. Où est-ce que j'allais? Mais la coupe païen. J'allais mourir païen. Comment tu à la croix. Come on, 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 come on
Merci. Tokokola mokato fanda.
Lève-nous et mettons-nous. Donc, on a commencé à la prière. En ce qui concerne la prière, formation, penza, formation, ya bonzambe. La véritable formation des choses de Dieu. Na ebandelignon, ce ya moi nzambe na ndenge tozoko la boye. Tous les débuts des enfants de Dieu, comme nous grandissons comme ça. Prière, oui, l'équipe à prière, nyoso. La prière qui est plus que toutes les prières. Ezalaka prière d'adoration. C'est la prière d'adoration. Donc, au Fukami, tu t'agenouilles, au Kumi Sinzambe, tu adores Dieu, au Lakisi Musala Salakina croix, tu lui montres l'œuvre de la croix, au Lakisi Makamoya Salelio, tu montres ce qu'il a fait pour toi, Talina croix, au Zomona Okana croix, Boyo, tu le zombes, Zomona la croix, tu fais la rétrospection, tu vois la croix, au Monindega, comme si Nemo Salakinega changé Finayo, tu vas comme il t'a adoré, tu l'adores parce qu'il a changé ta vie, il t'a rendu ce que tu es, Salaki païen, comme chrétien, toi tu étais païen, tu es devenu chrétien. Prière, il n'y a aucune prière qui dépasse cette prière. La prière ouais. Toi, tu peux faire cette prière. Amen. Amen. Hein. Et Dieu commence à produire des grandes choses. La prière, ouais. Juste par cette prière d'adoration. Quoi adorer, toi, tu l'adores seulement. Il produit des grandes choses. Tu ne parles pas même pas de ton problème. Je vous dis toujours moi. J'ai déjà oublié la prière de supplication. Je l'adore toujours. Je ne fais que l'adorer. Je vais chanter, je vais danser pour toi. Je danse avec mon cœur. Je tourne au sol. Imaginez, je lève mes mains. Secret, c'est ça les grands secrets. Yes. Là, tu l'élèves. Élève les parapluies, tu verras sa grandeur et sa bonté. Ah, on a centre de réveil. Ici, au centre de réveil, Matisse, Jésus. Élèvons Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous voulons maintenant donner nos offrandes. Est-ce qu'on peut le m'amener? Ah ben, ça va.